Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce neuvième live digital Canon euh, dédié à la passion de la photo euh, animalière et de nature. Donc euh, j'ai le plaisir euh, d'avoir sur le plateau euh, Canon euh, Sabine Berner et Christine Deniau qui vont nous parler du génie de la nature. Alors je leur poserai euh, des questions par la suite. Tout d'abord je voulais euh, euh, vous dire et redire peut-être euh, les raisons pour lesquelles nous avons créé cet événement. Euh, tout simplement parce que le festival de photo animalière et de nature de montier en euh, est annulé cette année pour les raisons que nous connaissons tous. Et euh, donc nous sommes ravis en fait, d'avoir ce type de conférence euh, pour vous qui êtes confinés chez vous, peut-être, et surtout pour nous, pour parler euh, de notre passion commune euh, qui est euh, la faune, euh, la nature et, et, et la photo animalière en, en règle générale. Voilà. Euh, merci Sabine d'être euh, présente, merci euh, Christine également. Euh, alors le génie de la nature, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi les génies de la nature Ça va être une longue histoire. <laughs> bon, alors, alors. peut-être commencer par Sabine Non, on fait tout en duo. En on fait. fait tout en duo. Déjà, Allez. on voulait en duo euh, te remercier, euh, remercier Canon, remercier euh, tous nos amis euh, d'être autour de nous et, euh, et dire à quel point euh, Montier nous manque. À quel point Montier est important pour nous oui, Tous les ans, voilà, c'est le rendez-vous de tous les photographes, de tous les amis, de voilà, de nos partenaires, de nos sponsors, de voilà. Et là, on a un grand manque. On se dit là, on est confiné chez nous, et voilà, on aimerait beaucoup mieux être à Montier cette année. C'est l'événement incontournable Incon pour tous les photographes animaliers en, 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 en général. Et puis ça, même au-delà de ça, en fait, on en parlait, on se disait, on, on parle beaucoup des écosystèmes en danger. Oui. Mais pour nous, Montier, c'est un, un écosystème. C'est ah, oui. un écosystème parce que c'est euh, la rencontre euh, des passions, la rencontre des amis, les échanges, la découverte, le, le moment de l'année où. Euh, et puis il y a la puissance de ce festival. Il y a, euh, il y a tous ces animateurs qu'on salue, il y a, a Maude qui nous manque, il y a Régis, Martine. Ah, et bien puis bien. il y a les 600 bénévoles. Hein. Et c'est une énergie qui est, qui est dingue, ah. Montier, c'est incroyable. Il y a tous les gens qu'on voit chaque année qui viennent, qui viennent de toute l'Europe. Euh... Oui, puis on est tous liés les uns aux autres voilà il y en a pas un qui peut vivre sans l'autre ouais. et là tous les ans on... voilà il y a autant alors il y a les expositions qu'on voit tous ouais. les conférences et puis bien sûr il y a aussi tous ces moments conviviaux qu'on passe alors là les restaurants sont fermés et tout mais voilà on est on va là-bas il y a le champagne tout simplement et puis hein. ce, ce partage annuel qui a lieu tous les ans fait que en, 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 ça, ça crée en fait une petite famille euh, alors une... Une petite famille, euh, dans le sens où euh, effectivement euh, les photographes animaliers par rapport à l'ensemble de, des gens qui font de la photo, ça ne représente peut-être pas une grande population, mais si on regarde la photo animalière en elle-même, elle, pratiquement tout le monde se retrouve à Montier au mois de novembre, euh, juste après le salon de la photo, en règle générale, voilà. et tout le monde se retrouve là. Ouais. Donc, euh, bon. Du monde entier Du monde entier, et euh, on, a, on a des gens de Suisse, de, de Belgique qui viennent. Donc c'est Hongrois, et les... Hongrois, on a tout, tous les pays qui sont représentés. Je crois que là, ça apparaît justement ah, de, des photo. petites photos de, de l'année 2014 et de l'année 2016. 2014, c'était l'exposition qu'on avait avec Michel sur le, mon mari, Michel denis Sur, ben, c'était plus les paysages, les ambiances de, de la savane. Et après 2016, c'était l'exposition de Sabine. Sur le biomimétisme. Voilà. Alors ça a été en fait une, une bascule cette exposition pour moi et ce, ce thème de travailler sur le biomimétisme parce qu'on parlait du génie de la nature. Je crois qu'on s'est retrouvé en fait là-dessus. Euh, le biomimétisme c'est l'inspiration de la nature pour euh, nos technologies, notre architecture, notre médecine. Et avec Christine en fait on a eu envie d'aller au-delà et d'aller dans une inspiration sociale voilà. sur des thèmes qu'on a développés. Et justement c'est encore la force de, de Montier parce que cette exposition en 2016 elle était sous mon nom, c'était mon travail, ouais. mais en réalité, il y avait tous les amis autour. Et quand je me suis rendu compte de, de la force du collectif qu'on avait, euh, j'ai dit là, on va faire une structure. On en a reparlé ensemble, et c'est comme ça, en fait, qu'on euh, est parti sur... Euh, quand ça marche ah bah ouais Ah non, non, non on est parti ça fait rien c'est pas grave allez on, on alors, savait que no, ça allait un notre peu notre grande spécialisée c'est que nous sommes deux sketchs hein déjà indépendantes on est des sketchs bah alors là on fait un duo de sketchs ça fait rien tu peux enchaîner alors, on avait euh, on a beaucoup travaillé sur la préparation du, du, PowerPoint. du powerpoint et alors le gros problème c'était mais, mais de qui on va parler en premier ah non mais on parle de machin non non mais attends si on parle de trucs il faut d'abord parler de bidules parce qu'il y a quand même des, des individualités on les aime tous on, on aime tous nos amis mais on savait pas Quoi faire. Donc on s'est dit, ben on va en fait parler de, de ceux qui sont, ou oh pardon pour le micro, de ceux qui sont le plus proche de notre cœur en ce moment. Et donc on vous présente nos félins confinés. Nos félins confinés. Ah oui. Hein, voilà. voilà, parce qu'en attendant d'aller faire les petites bêtes à l'extérieur, on se défoule avec les petites bêtes à l'intérieur. Voilà. Et vous qui, en profitez pour faire des photos. On en profite pour faire des voilà. photos, bien sûr, pour les mettre un petit peu en scène. Et là, on s'est dit, bah, égalité partout, donc on ne parlera que de nos chats en premier. Maintenant qu'on voilà, a parlé des chats... À gauche, vous savez, le chat de Sabine... Enfin, à gauche, c'est parti. Hein, est à pas gauche, grave. Le ronquin, c'était Kidou, le Kidou. chat de Sabine. Et après, il y avait euh, Sacha et, et Milka, les, ceux qui sont à Sainte-Adresse, voilà, en Normandie. À côté voilà. de la. Voilà. Voilà. Et comme on sait que les chats, ça fait des milliards de, de, de likes de sur like. euh, voilà, on triche un petit peu, ils sont beaux, nos chats. Hein. <laughs> allez, on va changer. Et en fait, on va partir sur euh, ben, le vrai on... thème où on s'est rencontrés. Donc, tout à l'heure, je disais qu'on on s'était retrouvés sur des thèmes qui allaient au-delà du biomimétisme. Et en particulier, un thème qui nous a tout de suite tenu à cœur, c'est les animaux mal aimés, ceux, ceux que personne n'a envie de voir. Alors, il y avait les araignées, les serpents. Tu euh, racontes Et donc, on a commencé à faire ça un soir dans un restaurant assez huppé de Neuilly où Sabine m'avait gentiment invité, Et là, on a commencé à décrire tous les animaux possibles. Alors, les rats, les... Et il y avait nos voisins de table. Ils étaient horrifiés. On a réussi, leur, je pense, à leur gâcher en partie la soirée. Mais pour Après. nous, c'était extraordinaire parce que là, on, on a vraiment commencé à une coopération voilà, ce soir-là. Et c'est ce soir-là que vous avez eu l'idée de créer le, le génie ça s'est fait par étapes. Ce soir-là, on a eu envie de faire ce livre sur les mal-aimés. Et puis, heureusement, on a eu un sponsor, Sarotech, qui, au début, nous a dit non, on voudrait un livre jeunesse sur le développement durable. Puis, au fur et à mesure, on les a poussés un petit peu et ils ont, ils ont euh, très, très vite accroché à l'idée qu'on parle de l'entraide, du partage, euh, un petit peu du développement dans la nature, mais de, bah, presque de l'éco-citoyenneté, euh, d'une inspiration. Qu'il qu faut se soutenir. Enfin, voilà. Et c'est comme ça qu'a été créé ce livre, Comme dans la nature. Bah D'ailleurs, qui, hein, je me permets, voilà, il est, il est là. Voilà, c'était celui-ci qu'on a fait ensemble. Alors, ces livres, euh, moi, je les connais un peu. Ce sont des livres qui sont destinés, euh, enfin, moi, de ce que j'en re ressens, et je te l'ai déjà dit, Sabine, c'est que c'est très, des très bons livres pour les enfants parce qu'ils sont à la fois illustrés, ils sont commentés, il y a des images et tout ça. Je pense que ce n'était pas le but uniquement pour les enfants, mais... Si, si, on était parti sur une collection jeunesse. Collection jeunesse. Oui, J'avais fait le premier titre sur le biomimétisme, ouais. avec le même sponsor, Sarotex. J'avais fait la Nouvelle-Zélande, évidemment, j'en parlerai tout à l'heure. Ouais. Et là, on est reparti sur la jeunesse, parce que d'abord, c'était une, une, une demande de notre sponsor. Puis en plus, nous, on, on, on se marre. Oui, voilà. Si hein, vous... C'est vraiment, Sauf on se fait plaisir. Faire... Donc, il y a eu trois volumes Trois volumes, trois, trois volumes et, le, et vraiment, on se fait plaisir. Et, et nos expos, on va vous les montrer un petit peu, nos expos communes. Le génie de la nature, ça doit être ludique. Donc, c'est pour les plus jeunes et pour les plus âgés, mais toujours dans un esprit euh, drôle. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'à Montiander, il y a beaucoup d'écoliers qui viennent euh, voir les expositions, et je me souviens très bien lorsque tu avais montré ces livres-là, ils se délectaient euh, en regardant et en feuilletant les, les ouvrages, parce qu'ils voyaient à la fois euh, l'image, le dessin qui en était euh, représenté, mm -hmm. et euh, les textes qui étaient aussi destinés un peu euh, à, 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 à eux, donc euh, avec un langage qui leur était euh, assez, assez proche. Un secret. Oui. Les adultes adorent. D'accord, très bien. Alors, bah, les adultes adorent. Et, puis, et nous, les premières. C'est pour ça qu'en fait, on, on, on se plaît tellement à travailler sur le génie de la nature, parce ouais. que les, les animaux, on est passionnés. Euh, aller au-delà des préjugés, montrer à, en quoi ils sont intéressants, c'est vraiment génial. Ouais. Et puis, créer, euh, créer aussi, on, on crée nos maquettes de livres, on crée nos maquettes d'expositions. Vous verrez, les génies de la nature, c'est vraiment quelque chose de, de super travaillé. Et avec ce, avec ce, après ce livre, on a justement fait une exposition à montier en sur la jeunesse. Oui, on est parti, et c'est là qu'on a créé ce collectif, justement pour monty Air, puisque là, il nous fallait une structure. Donc, on, est, on a quitté un petit peu le, le côté informel, et on a décidé de créer l'association Génial Nature. Le, le soir où on l'a décidé, on était avec Jean-Marc Courtier et Alain Escobiac, tu ouais, en, tu en parleras, bien, hein. qui nous ont bien poussé en disant, non, non, mais c'est vrai, faites une structure, faites quelque chose. Et puis, comme ça, heureusement, on a pu aussi travailler sur... alors. On a appelé ça une expo événement, mais c'est vrai que pour nous c'est un événement dans notre vie, hein, tellement ça a voilà. été du boulot. On a travaillé pour le musée, on a eu la chance de rencontrer le musée du Havre. Moi je le connaissais, je connaissais oui. bien puisque j'habite près du Havre. Je connaissais le musée, on avait déjà exposé et on, on leur a en fait parlé de, de, de la conférence, de notre livre euh, comme dans la nature et tout. Ils ont été intéressés, on a été faire une conférence au Havre. Et puis là, de fil en aiguille, on s'est dit mais euh, on pourrait peut-être faire quelque chose ensemble, on pourrait peut-être euh, voilà. Et, et ça s'est terminé par une exposition pendant euh, presque un an oui. sur euh, 500 mètres carrés de 2018-2019. 2018-2019. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et on a réussi donc finalement, en partant d'un projet qui était dis disons un petit peu plus limité, euh, à, à faire une exposition sur 500 mètres carrés qui nous a demandé un travail fou et dont vous verrez quelques, quelques extraits, euh, voilà. D'accord. Alors on a fait un petit Extrait d'une vidéo qu'a fait Fabrice Guérin, qui est membre du collectif, pour présenter cette expo du génie de la nature. Donc, voyez, Donc là, c'est au Havre. Là, c'est au Havre, c'est au musée d'histoire naturelle. Au d'histoire naturelle du Havre, où on a travaillé bah, tous les thèmes qui nous, qui nous passionnent, en fait, hein, voilà, autour du génie, de l'inspiration de la nature. Et du biomimétisme. Et du biomimétisme et les de la communication, des coopération. On parle de. d'eux. on laisse un petit peu. La communication animale, c'est aussi un secteur important. Voilà. Les langages de la nature, l'intelligence de la nature, toutes les formes d'intelligence. L'adaptation aussi des espèces. Voilà. Donc là, ça a duré à peu près un an Un an d'exposition. Voilà, un an, 500 mètres euh, carrés, qu'on a réalisé en coproduction avec la ville du Havre, donc le musée... Euh Homme d'histoire naturelle Elle, ouais. et notre société, euh, société d'édition. D'accord. Et maintenant, c'est l'exposition qu'on amène à Montier 2000, Qui aurait dû être cette année à montier der Qui fait partie des expositions qui sont en avant-première, euh, je crois, dans la rétrospective, euh, oui. des rétrospectives mm -hmm. voilà. euh, qui sont sur le site Canon. Voilà. Donc on peut voir quelques images de cette exposition qui sera visible sur 2021. 2021 hein voilà. D'accord. Il y aura cette expo qui était au musée du Havre et il y aura aussi une partie extérieure euh, qui qu'on a développée justement normalement pour spécialement pour cette année et puis bon, voilà. Ça sera l'année prochaine. Ça sera l'année prochaine. Voilà. Donc en Près fait, elle, a, elle sera encore plus importante, encore plus qu'elle est. Et là, on a travaillé euh, avec avec Maude de Lavepont pour pour faire quelque chose okay. vraiment de ludique. Claque. Bon. Ça c'est l'équipe. Enfin c'est une partie, partie de l'équipe. Une parce partie de l'équipe parce pas. que <laughs> je ne sais pas ce que tu faisais <laughs> le, soir, le soir du lancement de l'expo comme on avait tous travaillé d'arrache pied ça a été un boulot complètement dingue on fait un petit coucou à Liliane d'ailleurs on fait voilà. un petit coucou à Liliane on a eu le... on a eu le super bonheur d'avoir en privatif le muséum pour nous c'est à dire qu'on a pu faire une soirée d'inauguration D'inauguration avec toute l'équipe et là franchement ça la peine ouais. là, ça valait la peine d'y être donc on va vous présenter un petit peu l'équipe justement alors déjà, on vous donne rendez-vous en 2021. Voilà, le collectif que vous pouvez reconnaître. Ah, non, tiens, on fait voilà. un petit coucou à... Oups, non. <laughs> voilà, ah. parce que, en fait, ah. voilà, les hyènes, c'était... Donc là, voilà, donc on va vous présenter ben, Michel. C'est une photo de Michel, de Nio. Alors, j'ai une petite anecdote sur Michel. Déjà, je voudrais lui passer... Oui, un... J'ai <laughs> une anecdote sur Michel. Déjà, je lui passe un, un petit bonjour s'il nous regarde. Euh, tout simplement parce que hier soir, j'ai eu une euh, conférence avec Arnaud Guérin qui disait... Surtout, vous êtes tous confinés, sortez de chez vous, vous avez un kilomètre autour de vous pour euh, travailler et trouver des espèces et faire des photos. Et j'ai vu il y a quelques jours euh, deux photos, je crois, de, de Michel, où il faisait des photographies de ses champignons dans son jardin. Oui, C'est des, des clâtres. C'est des clâtres, des, mais c'était des, des champignons vraiment des champignons très, très bizarres. Très, très bizarre. mm -hmm. Et donc voilà, bah, je vois que Michel, ne pouvant euh, voyager comme il le souhaiterait, eh bien continue à faire des images. Tout en observant ce qui l'entoure. En, bah oui, c'est dans euh, le jardin. C'est dans le jardin. Donc voilà. un petit bonjour à, à Michel de notre part, et je sais qu'il a eu l'occasion de tester le dernier appareil photo et au cr 5 avec le 105. Il a trouvé 500. très bien. Voilà. L'essayer, c'est l'adopter. L'essayer, c'est l'adopter. Moi, j'ai craqué. <laughs> oui, je sais. <laughs> et on a Fabrice aussi parmi <laughs> nous, Guérin. Fabrice, Guérin, Fabrice Guérin, qui est alors notre photographe euh, sous-marin, sous qui fait un travail euh, absolument génial, qui est un photographe Canon, bien sûr. Et moi, j'aime bien cette image parce qu'on a retenu dans le biomimétisme le crocodile. D'abord parce que c'est un animal mal aimé et qu'il faut vraiment le valoriser, mais surtout parce qu'en termes de biomimétisme, le crocodile est super intéressant. Et il a un réseau de capteurs sous sa peau, donc sa peau c'est une, une vraie cuirasse, hein, même, même les balles ricochent. Et donc c'est en fait un animal extrêmement sensible entre guillemets sous sa peau, il y a tous ces petits capteurs qui peuvent euh, sentir les mouvements de l'eau, les proies qui peuvent y avoir autour, etc. Et un jour où j'étais en conférence avec Fabrice Guérin à, la, à, à Montier pour, pour des gamins, il venait juste de parler de cette photo de crocodile et j'explique le truc. Et là, je vois Fabrice se décomposer, parce qu'en fait, il était persuadé que les crocodiles il ne regardaient qu'avec leurs yeux. Ah. Et, et donc, donc il nous disait "Je suis entouré de crocodiles, mais c'est pas grave. Celui qui est en face de moi, je le regarde dans les yeux." Et là, rétrospectivement, il s'est dit euh, "Ouais, bon, c'était pas la C'était l'anecdote du jour, voilà. On a aussi. Grégory. Grégory. Grégory Paul. Voilà, lui, c'est bah, un peu notre euh, notre photographe du froid, hein. voilà. voilà, comme je, vous pouvez le voir. Je dois particulièrement le remercier parce que Grégory a, fait, a, a, a participé en fait, à ces événements live en nous fournissant deux images, notamment pour le Save the Dead, pour annoncer que l'événement Canon allait avoir lieu avec les, les yeux du Harfan, justement, oui. pris de très très près, et puis une image du notari. Qui nous regarde également, qui incite à venir sur Array, cet événement. Encore une histoire de regard. Encore, ouais, une, encore histoire une histoire de histoire regard, de... qui est un peu la, la signature de, de Sabine. Ouais. Euh, hein, donc le regard, c'est important pour toi. Et je crois qu'on a tous un point commun, c'est que nos, nos photos racontent des histoires et qu'on est passionné par les histoires qu'on rapporte. C'est vraiment, alors s'il y a un point euh, général dans le génie de la nature, qu'on qu soit euh, photographe professionnel ou pas, c'est vraiment cette passion de, de rapporter des histoires. Donc un grand merci à Grégory encore merci, Grégory. pour sa participation. Et puis on a un autre photographe du froid. Oui. C'est Jacques Renaud, voilà, qui nous soutient beaucoup, qui est euh, dans le premier livre d'ailleurs de Comme dans la nature, euh, qui est là depuis le début, que j'ai rencontré a oui, oui. quelques années. Et euh, voilà, très chouette. On qui a des. Ce n'est pas un professionnel, non, mais il voilà, y, y a aussi bien, mais, euh, bien des professionnels que des non-professionnels non professionnels dans l'équipe. Professionnels. Mais très très bon boulot et, euh, et une histoire qui, enfin, une histoire qui est racontée à travers une image encore une fois. Oui. Donc elle fait, elle fait voyager, elle fait réfléchir, elle fait. Euh, elle peut pousser à l'action. Euh... Bah, Là, euh, vous reconnaissez peut-être. Alors, une image de Maxime. <laughs> bah, une image de Maxime Laya, qui fait aussi partie du collectif. Voilà. Donc, Maxime fait partie du collectif. La place est chaude. Voilà. <laughs> Notre nouvel ambassadeur. Canale. Le nouvel ambassadeur, bravo. Bravo, <laughs> Maxime. On est bien fiers de l'avoir. Ça, c'est une petite merveille. Donc, ça, c'est une saltique. C'est une petite araignée. C'est minuscule. Hein. Ça fait 5 mm, à peu près, je crois. De... Peut-être peut-être moins. Oui, j'ai un petit, je suis un petit peu fâché avec les chiffres des fois. Oui, moi aussi. Et Ça donc, euh, on voulait points. absolument qu'il y ait une araignée dans le dans l'exposition. Donc, il est mal aimé. Bah, il oui, est mal aimé. Et puis Sabine me dit, mais on va faire peur aux gens, quoi. C'est comment on fait Et puis on a vu cette saltique. On a vu la photo et on s'est dit, mais c'est celle-là qu'il nous faut. Et en fait, même les gens, même les, les arachnophobes, enfin les, les ceux qui, ils étaient là. Il y avait des journalistes quand ils sont venus voir l'expo, ils ont dit, mais. Ah non, non, celle-là, on peut la regarder, il n'y a pas de problème. Donc, euh, voilà. Pourquoi À cause de sa couleur à cause de... Je ne sais pas, celle-là leur faisait mignonne. moins peur. Oui, oh, elle est mignonne. Et Marc Pillet, donc, le photographe, est un artiste, je trouve. Il arrive à sublimer une petite araignée. Il a vraiment fait très, très fort avec, euh, avec cette saltique. Elle est, la couleur est belle, on a l'impression qu'elle sourit, mmh. elle est gentille, elle, elle penche un peu la tête pour regarder. Voilà. Elle a vraiment une personnalité, cette araignée. Donc, euh, voilà. donc bravo, Max, euh, Marc, pour ce super ouais, très beau belle boulot. Très belle image. En parlant de super boulot, on a martyrisé tout l'été <laughs> Olivier Hervieux. Oui, oui. Olivier Hervieux. Bravo, euh, Olivier. Avec ses photos en, en macro ou euh... On a martyrisé aussi Pascal, sa sœur, mais c'est Olivier qui a gagné. Ouais. Après, on vous laisse régler vos histoires en famille. Mais euh, Olivier a une petite particularité, on te laisse parler, parce que oui, la technique, c'est un... pas notre truc. Ah, oui, euh, ouais. Olivier, en fait, il fait beaucoup de macrophotographie. Et je sais qu'il utilise la, 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 enfin, une des technologies qui permettent d'aller de, de, un peu plus loin dans la photo de ma, macrophotographie c'est le stacking. Alors, je ne sais pas si c'est un terme un peu technique, mais c'est une succession d'images. À des, à des profondeurs de champ différentes pour essayer d'avoir justement une profondeur de champ assez, enfin plus grande sur un petit animal. Donc je sais que ça c'est important et justement on, cette technologie de stacking a été intégrée sur le, les derniers boîtiers Canon qui sont le R5 et le R6. Donc en fait dans le principe c'est assez simple on choisit le nombre d'images que l'on souhaite faire euh, sur la profondeur de champ que l'on souhaite et puis c'est l'appareil qui travaille et on fait un montage global et on a une une très belle araignée ou de très oui, belles très fourmis. Belle fourmi, C'est voilà. un non, des points qui m'a poussé à acheter le R5. Hein. C'est vrai, tu as fait ah, du stacking oui. déjà bah, <laughs> J'ai <'y> admiré. <laughs> de, de là à le faire, non, je ne sais pas, pas, je vais essayer avec le nez de mon mais, euh, euh, mais là, sur cette photo, je crois qu'Olivier il a fait plus d'une cinquantaine. Hein. Là, pour arriver à des profondeurs de champ comme ça, il faut effectivement un nombre d'images assez conséquent. Parce que forcément, plus on est proche de l'animal, plus la profondeur de champ est très très faible. Et il faut une succession d'images comme ça. Euh, et ça, il faut le faire très très rapidement et donc avec l'obturation électronique maintenant on arrive à le faire. Voilà. Donc, franchement... Petit point technique. Voilà, je ne sais pas si avec grâce au R5 j'arriverai à avoir ce niveau de qualité. Si, si. Je doute parce qu'il fait un travail ouais, qui ouais. est fou, mais, mais bon je vais, je vais m'entraîner c'est promis premier. Hein. Et puis on a un artiste qu'on a découvert à cette occasion, non pas non pas l'ami parce qu'on le connaît depuis des années, mais on a découvert sa, sa, ses qualités pour le dessin absolument fabuleux. The s'appelle Louis Casiano. On est très content, d'abord on salue notre ami Louis, et en plus on a réussi à le convertir, on l'a eu à l'usure. Il est passé canon. Voilà. Et il fait des illustrations. Et il, fait, il, et fait il fait des illustrations. Fait. Il y avait fabuleux. quand même un certain nombre d'espèces qu'on n'avait pas. Donc même en, voilà, en faisant le tour de nos amis et de, du collectif, et il nous manquait des images. Et là dans le cas de ces vampires, ce sont des vampires, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait et on a dit, bah, Louis, c'est ce que ça te dirait Il dit, bah, oui, avec plaisir. Donc voilà, il nous a fait... Et alors, ce qui est extraordinaire chez les vampires, là, justement, c'est que c'est des animaux... Ça fait un petit peu peur aussi, ça, au niveau des gens. Et euh, ils peuvent pas survivre plus de 72 heures ou 60 heures s'ils n'ont pas euh, bu du sang. Alors, c'est du sang du bétail, hein. faut pas ouais. non plus... Euh, ouais, ouais. Voilà, c'est pas Dracula, c'est pas... Euh... Et, et alors les, les femelles, par exemple, qui rentrent, qui ont, qu ont eu du sang, elles vont donner du sang aux autres pour pas qu'elles meurent. Voilà, euh, c'est cette histoire-là qui nous nous a entraide, paru extraordinaire dans le cadre du génie de la nature, justement. Une voilà. Entraide, voilà, une entraide. Et donc sinon, et... les les autres femelles mourraient. Et sinon, quelqu'un l'a déjà photographié Des chauves-souris vampires rentrent, ben bah non, puisqu'elles bah, le font dans la grotte toute seule. Ouais, Donc peut-être bah, en, peut personne... mais, euh, en euh, tout cas, on ne sait pas. Ouais, voilà. Ou alors peut-être avec des caméras, des pièges, quoi. C'est possible. Mais en tout cas, on a Louise qui nous fait des si beaux dessins que voilà. alors euh, on s'est dit, bah tant pis. Tant et pis. Ce qu'on adore, c'est appeler Louis le soir en lui disant pour demain, il nous faudrait. Et alors, on lui pose des questions absolument invraisemblables et on obtient. Ce on oh, obtient. Très bien. C'est bien. Voilà, tu peux. Voilà. Et puis on a d'autres d'autres amis encore Olivier Cazé, merci. David Grimardias, Ghislaine Joubert qui est notre super top relectrice Oui, parce qu'il faut lire, lire, hein, les relire les livres avant publier publiés. Yann et Delphine de l'agence Nature Agency. qui euh... okay, pareil nous ont fourni un certain oui, nombre ouais. d'images, beaucoup bah, beaucoup grâce de photographes. Ouais, et... et beaucoup d'éducation aussi. Merci et puis beaucoup de champagne. Et puis tous ah, les photographes du collectif sont aussi ouais. dans l'agence. Voilà. D'accord. Et alors last but not least le merveilleux Jean-Marc Courtier, Jean -Marc Courtier <laughs> que vous avez eu le temps d'admirer en faisant son travail, mais c'est peut-être passé trop vite en fait. Hein. Alors Jean-Marc, euh, il fait partie du, du collectif, okay. euh, mais je tiens tout de même à, à mettre un, un petit mot sur Jean-Marc, parce qu'il est partenaire de Canon sur le Festival de Montier avec sa société Colorpix. Et il imprime bon nombre de, des expositions qui sont, qui sont faites sur Montier. Donc je le salue. Je sais qu'il utilise des imprimantes large print Canon, euh, et donc euh, voilà, il a toute la, sa légimité, légitimité pardon, euh, à être avec nous sur ce festival. Et on peut dire que c'était une pièce maîtresse du génie de la nature. Pour, hein. pour faire notre exposition, euh, c'était indispensable parce qu'on a énormément de grands tirages. On a énormément de, de bâches enfin avec, avec des photos imprimées dessus et sans, sans lui on n'aurait jamais réussi à le faire euh, correctement. L'intérêt avec Jean-Marc c'est qu'il est à la fois donc euh, imprimeur enfin il est capable d'imprimer des expositions mais il est également photographe. Et il est également photographe et très bon photographe. Euh, et il adore tout ce qui est plongé sous-marine. Voilà. Et voilà. membre du collectif avec ses, avec ses brochets ou ses méduses ou euh, voilà. Et puis à droite, tu voulais aussi faire un coucou à ah, nos alors, partenaires. Oui, forcément, il y a euh, les frères Escourbiac. Non, il y a, là, il y a John. Le, le premier frère, il est passé en premier. Ah, c'est bien pardon, pour ça qu'on a mis les chats. D'accord. <laughs> donc il y a l'imprimerie Escourbiac voilà, euh, qui a notamment imprimé le livre Pongo de Maxime Aliaga euh, euh, qu'on a vu ce matin, plus tous vos, euh, Ricains, plus tous vos livres. Euh, donc c'est une alors, imprimerie tous, euh, tous imprimés, euh, reconnue dans le domaine de la photo. Pour la qualité des ouvrages mm -hmm. qui, sont, qui sont produits. Donc euh, voilà, on leur fait un petit coucou. Ils sont basés, je crois, du côté de Toulouse. C'est ouais, à Grenoble, ouais. hein, à côté de, de Toulouse. Ouais. Et voilà. donc ils ont aussi fait le bouquin de Fabrice Guérin, magnifique livre euh, sur le Mexique, Terre et mer, et puis euh, le et, livre, et, les livres de Grégory Paul. Et, et celui de Christine et, euh, et, celui voilà, de Christine et, et Michel, et Michel. Et Michel Deniau. Oh. Passion, voilà. voilà. Passion fait là. Passion fait là. D'accord. Voilà, voilà. Et maintenant, ma chère Christine. Alors, Christine tu nous oui, expliquer allez. ton histoire euh, avec Canon avec la photo animalière et euh, bah, tout ce que tu as fait depuis... mais, oui tout à fait écoute moi il y a à peu près 35 ans bah oui ça fait même pile 35 ans bah, je connaissais strictement rien aux animaux tu vois là tu me parles de photographie animalière mais déjà je ne connaissais pas les animaux donc on n'était pas très bien parti moi ce que j'aimais c'était les voyages hein, j'étais plutôt une grande voyageuse Bon, à part ça, j'étais ingénieur en informatique, mais ça, c'est anecdotique. Accessoire. Et euh, <laughs> voilà, ce que j'aimais, moi, c'était les voyages, aller randonner partout dans le monde, aussi bien en Asie euh, que dans le Hogar. Enfin voilà. Et puis un jour, je décide, bah, je vais quand même aller voir comment c'est la Tanzanie. C'était un mot qui, voilà, quelque chose qui me parlait. Et j'ai voulu faire l'ascension du Kilimandjaro. Ah. Donc, voilà. Mais je n'ai pas pris que l'ascension hein. sur cinq jours. Tu, tu pars de France, tu montes et puis tu rentres, tu n'as rien vu en fait. Et j'ai dit, ben bah non, je vais aller voir aussi tout ce qui est les grands parcs animaliers de Tanzanie et les animaux. Donc voilà, j'arrive là-bas et c'est, euh, voilà, c'est le, le, Alors là, c'est une photo du Serengeti qui passe, c'est les copies, c'est gros amas rocheux Et là, quand je suis arrivée là, pour moi, c'était, euh, voilà, le, une grande découverte. Donc, je suis tombée amoureuse donc, des grands espaces africains. Un dépaysement total. Un dépaysement total. Et puis, de celui qui était le guide, qui justement est devenu mon mari, Michel, Michel. Denis. Michel. Voilà. Donc, en fait, l'Afrique et les animaux, c'est une histoire d'amour. <laughs> on peut dire ça comme ça. Et donc, là, j'ai vu ben, mes premiers guépards, mes premiers lions, euh, puis j'ai vu des paysages. Euh, voilà, c'était comme au début de l'humanité, finalement. Et deux ans après ce, ce premier voyage, on, La... est, on La... est parti voilà, avec Michel dans le Serengeti. Et avec ce, lui, il avait une Land Rover équipée, une tente de toit, enfin comme on a d'ailleurs encore maintenant, puisque tous nos voyages après, on les a faits avec des véhicules différents, alors des Land Rovers, on a même eu un Volkswagen, enfin bon, on a eu pas mal de. Que vous Mais équipiez toujours, spécifiquement voilà, toujours, pour la, la chasse. Toujours équipé enfin, enfin, à chaque fois, la, la chasse photographique, ah oui, non. Attention, avec une tente de toit et puis un frigo. Enfin, à l'époque, on n'en avait pas vraiment, mais ouais. maintenant, un frigo super bien équipé et tout. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est la liberté, l'indépendance. quoi. C'est pouvoir être partout, euh, sans avoir à se préoccuper du ravitaillement, de l'endroit où on va dormir. Et à l'époque, il n'y avait strictement personne dans le Serengeti. Et là, cette photo, c'est une diapositive. Alors, ça, c'est une diapositive. Oui, ça doit être l'année, je dirais, 88. Donc, il n'y avait pas encore de, de numérique, hein, bien sûr. Donc, arrivé... c'est une diapositive numérisée. Une diapositive numérisée. Et, et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on ne croisait personne. On essaie, ça nous arrivait de tomber en panne et de rester huit jours. Euh... Enfin, c'est Michel qui s'est de réparer. Bon, Moi, mmh. la mécanique, ce n'est pas. Voilà, mais on ne croisait personne. Donc, euh, tu peux... Et donc là, donc les premiers guépards, bah ça aussi c'est une diapositive. Donc c'est une femelle guépard avec ses petits. Alors c'est des, des petites choses hein, qui pèsent 300 grammes à peine. Euh, voilà. Et alors quand vous découvrez ça, c'est le, le paradis. Quoi. Ouais. Voilà. Et c'est l'époque aussi où j'ai connu, bah, nous avons ensemble connu le cratère du Ngorongoro. Alors ça c'est un endroit où, moi, qui parle sans doute à pas mal de gens, même s'ils y sont pas allés. C'est quand même un endroit mythique d'Afrique. Et nous, on l'a connu à l'époque où il n'y avait alors, à nouveau personne. Quoi. On pouvait dormir au fond du cratère. On y est resté des nuits et des nuits là-bas. Et maintenant, quand on doit y aller, ben, c'est ma... enfin, vers 7h du matin. Et puis, vous devez rentrer à 5, 15 ou 16h le soir. On ne peut pas rester. C'est devenu euh, touristique. Ben, oui, oui il voilà, n'y bon, a plus le plaisir d'être la nuit là-bas, d'assister au lever du soleil, au coucher du soleil. Enfin, bon, on ne peut plus... Euh... Profiter, entre guillemets, de, de l'endroit. Et moi, ce qui m'a marqué, enfin, on l'a eu aussi dans le Serengeti, mais c'est les nuits. Les nuits dans la savane, c'est absolument magique. Ah, on, vous a... entend. Vous avez le rugissement des lions, le, le rire des hyènes, on dit souvent le rire hein, sardonique même des hyènes, ouais. mes amis. Et puis, il y a bah, le cri des babouins. Il y, y a tellement d'ambiance la nuit. Alors, surtout quand vous êtes dans une tente de toit. Ben vous ne vous dites pas, euh, le lion va monter, euh, va écraser ma tente, va faire ses griffes, ce qui est arrivé à pas mal de gens, hein, ouais, ouais. faire leurs griffes sur euh, les sur to to toiles de tente. Nous, on est tranquille là-haut. Et voyez, en ce moment, -là, avec le confinement et tout, ce qui manque justement, là, moi, ce qui me manque le plus, c'est ces nuits-là. Voilà, c'est les, les nuits magiques. On pourrait dire oui, ça. Oui, parce qu'en fait. fait, une fois qu'on est sous sa tente, on est quasiment comme si on dormait à l'extérieur, parce qu'au niveau de il n'y a rien, il n'y a aucun filtre. Donc là, il y a un superbe rhinocéros qui marquait son territoire et dans le fond du cratère. Et puis après, on, a, voilà, on est parti plus au nord, hein, on a quitté le Serengeti au euh, début des années 90 et on est monté, entre guillemets, hein, dans la réserve de Masai Mara. Et là, la, la première impression, on était d'ailleurs monté pour ça au départ, c'était de, de voir la migration des New qu'on voyait dans le Serengeti, mais surtout la traversée de la rivière Mara, oui, oui. qui voilà un des, un, des, un des moments les plus connus de, de la savane en, dans, au Kenya. Et alors là, quand j'ai vu ça la première fois, je crois que je m'en suis jamais remise quoi. C'était donc après on, en, on la revoit, on en revoit plein, mais voilà la première fois qu'on qu entend, il y a le, le son, il y a le, le piétinement des sabots, il y a vraiment ce, un bruit permanent. Puis là vous dites ah c'est quand même voilà c'est le génie de la nature, c'est quelque chose d'incroyable. Donc, bah, Masaimara, bah, c'était la rivière. Donc, bah, on peut apercevoir. Je pense que c'était un 500 mm. Alors, on a hein? vu une vue à peu près identique avec euh, la conférence de, de Tony, euh, qui a été faite en direct euh, de oui, Mara, Et vu, il nous a mais... montré la rivière. Euh, euh, juste à côté euh, la, de la rivière. C'est pas tout à fait, tout à fait pareil, mais euh, ça y ressemble. Voilà. Et donc là, ça devait être un, un 500 mm ouais. euh, qui est quand même l'objectif que je préfère personnellement. D'accord. Voilà. Et donc là, dans, en fait, dans Ma on a commencé à travailler toujours sur les mêmes troupes de lions. Toujours sur les mêmes animaux, les, en général des femelles. Et là, la pre, la, notre première star, enfin, notre, euh, disons la première vedette de nos reportages, ça a été une femelle qui s'appelle Chartel. Donc là, on ne voit pas qu'elle a la queue coupée. Ouais. Femelle léopard avec son petit. Et pourquoi elle a la queue coupée C'est qu'en en fait, il y a une concurrence très forte en, dans la journée, en particulier entre les léopards et les babouins. Et les babouins mâles euh, sont beaucoup plus puissants qu'une femelle léopard qui pèse. 35 kilos à peu près, puis lui à 50 kilos, des canines impressionnantes. Si elle veut pas être blessée, elle est obligée d'abandonner sa proie une fois qu'elle a chassé. Tant qu'elle n'a pas pu la... Puis même si elle la monte dans un arbre, le babouin, il peut en faire autant. Euh, ouais. Donc voilà, on a, on a été attiré par elle, on a suivi ses portées. Et on était dans une zone complètement caillouteuse. Et donc là, il y avait le 4x4 qui souffrait. On, on passait carrément dans la cailloux hein, pour pouvoir la voir et la photographier. Elle se cachait bien, enfin se cachait. Elle ne se cachait pas de nous, mais disons qu'elle se cachait des autres animaux, elle était bien. Et donc, là, le dos, le... enfin bon, ouais, oui, voilà, c'était... La voiture. Euh... Oui, ouais, c'était vraiment très 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 bien. Donc, on, on avait... Et après, on s'est aussi attaché à des femelles euh, guépards. Et euh, en particulier, pareil, dans, dans les vedettes qu'on avait, il y avait une, une qu'on avait appelée Madalton. Pourquoi Madalton Voilà, tout simplement parce qu'elle avait quatre petits qui était absolument insupportable. Là, est voilà, c'est et... les petits anges. Alors là, ils ont l'air d'anges, <laughs> mais il faut se méfier. Je crois qu'il y en a une. Là, voilà c'est moins les petits Donc, anges. Ils étaient tout le temps en train de l'embêter. Quand elle se mettait en chasse, c'est-à-dire qu'elle avait un parcours, elle partait en chasse, on la voyait là, et puis les petits sont censés... Elle, elle faisait un petit cri pour que ses petits se cachent derrière elle et puis qu'ils qu ne soient pas vus. Elle avançait, elle avançait, elle était bien, elle s'approchait des proies. Et puis d'un seul coup, on les voyait bondir sur elle, monter sur son dos, et la chasse finie. Ah. Donc voilà pourquoi on les avait surnommés les Dalton. Mais c'était... Une... Alors même si elle avait beaucoup de mal à chasser, c'était une excellente chasseresse. Donc elle a réussi à élever ses petits en les préservant euh, des prédateurs. Hein. Il y a pas mal de hyènes et tout. Parce qu'une femelle guépard, elle doit savoir quand chasser. Si elle chasse tôt le matin ou tard le soir, ce qui est le meilleur moment puisqu'il fait moins chaud, ouais. en fait les, les hyènes sont là prêtes à lui voler sa proie. Et une autre caractéristique de cette femelle guépard, Pardon. une autre caractéristique de la femelle guépard, c'est qu'elle était à la frontière tanzanienne. Alors la frontière, qu'est-ce que c'est La frontière, c'est deux bornes. Voilà, on voit le secteur où elle évoluait. C'est deux bornes blanches, ou enfin plein de bornes blanches, qui marquent une limite. Mais évidemment, les, ben les, les animaux, ils passent d'un côté, ils reviennent. Alors nous, qu'est-ce qu'on faisait ben, quand elle partait de l'autre côté, discrètement, enfin on pensait être discret, on suivait, on rentrait sur le territoire tanzanien, 500 mètres, 1 km, allez. À 2 km, on disait non, non, là c'est trop, on ne peut pas. Puis un jour, les, on, donc ça pendant des semaines, et les rangers tanzaniens, les rangers kényans pardon, sont venus nous voir, on les connaissait un petit peu, viennent nous voir, ils disaient là, non, là, 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 faut que vous arrêtiez là. D'abord, on sait très bien, vous, nous que vous passez la frontière, alors nous, on s'en moque un peu, n'est pas grave. Mais les Tanzaniens, ils nous ont prévenus par, par radio que ils allaient confisquer la voiture et vous mettre en prison si vous continuez à rentrer. Ah oui. voilà, il n'était pas question. Donc là, de... vous avez arrêté. Ben là, on a arrêté. Puis un jour, malheureusement, elle est restée côté Tanzanien et on l'a pas revue. Voilà. Alors pourquoi vous êtes toujours intéressé aux, aux femelles particulièrement Bah ben oui, tu vas voir, il y a aussi une autre femelle guépard qui s'appelle Malaika, qu qui a été aussi beaucoup le sujet de nos reportages. Ouais. Et eh bien, en fait, c'est passer des journées entières hein, près des animaux comme ça, si tu es juste avec des adultes, ben, ils, va, ils vont passer d'abord énormément de temps à dormir. Hein. Même les guépards, qui sont des animaux diurnes, il y a des longs moments où il ne se passe rien, à part jouer et puis bouquiner, a, il ne se passe pas grand chose. Donc, Alors qu'avec des petits, que ce soit d'ailleurs des lionnes ou des des pas eh ben ils vont se réveiller, ils vont aller embêter leur mère, ils vont jouer entre eux parce que ces animaux sont très joueurs. Ouais. Quand tout se passe bien, ils sont très joueurs. D'où voilà, la raison pour laquelle on suit plutôt des femelles avec des jeunes que des que des mâles. D'accord. Voilà. Donc là, on avait encore quelques petites femelles, je crois. Et puis, bon, on, on, tu peux passer un petit peu. Et, euh, mais, mais si tu veux, voilà. Là, on voit bien euh, en action, euh, Michel en action, ah, puisque ah, c'est moi ah, qui ai pris la photo. Je, suis pas, je ne suis pas à pied à côté, hein, quand même, je précise, je suis dans un autre véhicule. Et donc j'ai pris. Et donc vous, si, je sais pas si vous voyez, mais il euh, y, y a des petits, les petits guépards qui sont, voilà, on, là on les voit mieux, qui sont carrément montés sur, sur la sur ah. la roue. Et en fait, cette femelle qui là est Malaika, ça veut dire ange en swahili, elle c'est la fille de d'autres, la fille, la petite fille. Enfin, parce que, En fait, on a suivi sa mère, sa grand-mère avant elle. C'est ça qui est, qui est absolument passionnant. Et la grand-mère, euh, elle s'appelait Amber. Elle montait sur les sur les capots des voitures. Donc quand On voit une photo publiée comme ça, on se dit ben, en fait les, les gens ils harcèlent les animaux quoi. Pourquoi, pourquoi est-ce qu'il y a des mais ben non, en fait c'est qu'elle elle prend la, la Land Rover ou n'importe quelle voiture comme une termitière et elle surveille la plaine comme ça elle peut chercher ses proies. Est surélevé, et elle, elle est, euh, elle est voilà. surélevée, et surtout quand il y a les hautes herbes, elle voit rien quoi. Voilà. Donc faut pas du tout croire hein, quand on voit une photo comme ça que alors ces derniers temps les rangers avaient décidé que, quand on laissait euh, des des guépards montés sur les capots des voitures, on avait une amende qui, qui valait à peu près 100 euros. Ah oui, Mais en fait, c'était plus dangereux d'empêcher les guépards de monter. Ils en, pas en... Monter, tu bah Oui, parce ouais. que voilà. Enfin bon, voilà, ça fait partie des. Voilà, ça, c'est les petits de, de Malaïka. Voilà, on vous laisse regarder un petit peu quelques exemples de, de photos. Voilà, vous voyez à quel point les, les petits peuvent embêter leur mère. Voilà, ça alors, les, là, les fameuses termitières Les fameuses termitières, bah oui, dont on parlait juste à l'instant. Et là, on voit, euh, c'est un petit qui attrape la, qui attrape la, la queue, queue de, de sa mère. Voilà, exactement. C'est une variante de l'école à la maison Oui, ouais, c'est ça, c'est l'école ouais. à la maison. <laughs> là, alors, vous voyez, euh, après, la mère, elle va leur apprendre à chasser. Donc là, c'est un jeune qui a environ 14 mois, donc lui, il sait déjà chasser à peu près. Hein. Mais là, simplement, là, sur cette photo, il a raté, son... il a raté sa course et euh, on a l'impression que c'est la, la, la petite antilope qui est en train de le chasser. Mais en fait, la mère, quand elle veut apprendre à chasser à ses petits, elle attend la période où il y a la naissance des petits fans de gazelle de, de Thomson. Donc c'est février-mars ou septembre-octobre. Et elle fait le tour des, des touffes d'herbe dans la savane, dans la plaine. Et puis, elle trouve des petits que les mères ont laissés dans les, dans les touffes d'herbe. En fait, il n'y a aucun risque, c'est facile. Ouais. Elle, elle prend un petit, puis elle les ramène à ses jeunes. Voilà, et comme ça. Alors, pour eux, c'est un jeu, hein, au départ. Bon, ben voilà, ça, c'est une photo dans la savane. Et après, on va là, on va, tu, tu me parlais des, des mâles guépards. Donc, on a eu euh, trois frères, là. Ça, c'était trois frères. On a, on a adoré les suivre. Alors, par contre, c'est très compliqué de suivre des mâles guépards dans la savane. Parce qu'eux, ils bougent aussi bien les nuits de pleine lune... Hein, parce que je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure comment on suivait les femelles guépards, c'est-à-dire que le soir, à la nuit tombée, on prend leur position GPS, enfin, tout au moins à l'époque où il n'y avait personne, oui. parce que maintenant, euh, de toute façon, on trouvera toujours un véhicule qui va les, les rechercher. Y aussi, oui. Mais, voilà, quand il n'y a personne, on garde leur position le soir, à la nuit tombée, les femelles ne vont pas bouger la nuit avec leurs petits, et donc le matin, il faut arriver avant le lever du jour, vous avez la position GPS, puisqu'il n'y a pas de repère hein, particulier, et là, vous, vous faites des cercles autour de la position que vous avez gardée jusqu'à retrouver la femelle, si tout va bien. Bon, ça marche pas à tous ça. les coups. Donc vous faites des grands cercles et tout, et puis c'est assez long. Des fois elle est tellement couchée dans les herbes qu'on la voit pas. Ouais. À on, moins de rouler on, dessus. On passe à côté. Voilà. On passe ouais. à côté. Donc les mâles on peut pas faire ça. Eux la nuit peuvent faire 25 km, 30 km. Donc évidemment pas moyen de, de, de les, suivre. les suivre. La nuit on n'a pas le droit de rouler en plus. Voilà. Et donc, bah ça, c'est une photo qui a un peu fait le, le tour de... Alors, ça, je crois que c'est une des photos qu'on s'est fait le plus pirater sur le net. Sur Internet. Oui, ça, alors ça a été... Elle a été publiée dans le Daily Mail, qui nous a payé le sujet. Enfin, et après, les photos que le Daily Mail avait mises en ligne, on les a retrouvées, mais partout, partout dans le monde. Il n'y a rien eu à faire. Bon, d'un autre côté, ça fait... Ça fait plaisir de voir sa, oui, oui. sa photo partout dans le monde. Oui. Mais voilà, c'est l'exemple typique. Ce qui du... est étonnant, c'est que là, elle semble pas du tout être effrayée. Bah, en fait, ils n'avaient pas faim du tout les, oui. les guépards, donc ils, ils jouaient avec elle et tout. Mais même instinctivement, elle ne cherche bah, pas. En à fait, il y a une espèce quand même de sidération. Ils tétanisé, de... ouais. ouais, sont tétanisés. Les, ouais. les pauvres petites bêtes sont tétanisées. Bon, on n'a pas. De... Bah, je veux dire, c'est pas qu'on n'a pas d'affect. Euh... Euh, voilà, ça fait partie de, de la nature. De la nature. Bon, ils ne vont pas l'attraper simplement pour le plaisir. Il y a une forme peut-être de plaisir dans le jeu. Si vous regardez un chat avec une souris, il oui. bon, y a une forme de plaisir. mais voilà on, puis on est derrière un appareil photo aussi. Oui, c'est Il voilà, y, y a toute une histoire, hein, je crois, là-dessus. Et là, c'est quatre mâles, puisque tu vois, on, voilà, on les mâles aussi, on oui, s'en oui. occupe. C'est une, une coalition de mâles qui est arrivée dans Masai Mara en 2017. On pense qu'elle venait plus ou moins de, de Tanzanie. Et là, les, les, les guépards sont pas apparentés entre eux. C'est-à-dire qu'il y a une, une chercheuse russe qui est là-bas et qui a pris, euh, qui a pris là, les, les excréments de, des guépards, qui les a fait analyser pour savoir. Et, et ils n'étaient pas apparentés entre eux. C'est passionnant. C'est hein. une coalition. Et donc, on revient justement, que tu disais, c'est quoi le génie de la nature ouais, bah, Ça aussi, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a une coopération les cinq sont quasiment à égalité. Même s'il y a pas mal d'agressivité. Hein. On a eu quand même des scènes euh, entre eux. Mais ils vont, se, ils vont coopérer pour chasser. Ils vont chasser des grosses proies. Hein. Et ils vont se partager Ils le... se partagent la proie. Et la, la réussite à la chasse est beaucoup plus importante. Ils défendent un territoire. Ils n'ont pas de mal, hein, à cinq, à, à défendre un territoire. Et, donc, et en plus, les, jeux, les scientifiques disent que les animaux qui vivent comme ça en coalition sont en meilleure santé. Hein, il y a moins de stress, ah, oui. en fait. Donc, vous imaginez la horde, quand il y a cinq guépards hein, qui avancent dans la plaine, euh, c'est important. Voilà. Et donc, et on fait le parallèle avec, là, voilà, il n'y en a que quatre, un mais lion. ça, c'est un lion qui a été assez connu parce qu'il était dans un, dans un film de Disney Nature qui s'appelait Félin, mmh. et on l'a suivi, on a suivi le lion en même temps, en fait, que, que l'équipe de tournage. Donc, ce mâle, là, celui qui est à gauche, c'est le père, il a la crinière plus noire, et là, il avait au départ cinq fils, là, il n'y en a que trois, où il y en a un qui est mort assez vite à l'âge adulte. Et puis, et, et en fait, il avait été chassé de sa troupe. Ce qui est génial, c'est qu'il avait été chassé de sa troupe, euh, Notch, par des, par des mâles beaucoup plus forts que lui et qui étaient arrivés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Il est parti. Et il a été rechercher ses fils qui, qui avaient quitté la troupe. Il a été les rechercher pour former avec eux une coalition. Ce qui est quand même assez rare, là, par contre. contre. Voilà. Donc, il a, voilà, ils ont fait la, la, la traversée de... De Masaï -Mara dans tous les sens. Ils essayaient de prendre le plus de troupes possible. Et avec ce ciel noir, euh, avec les et pluies voilà. qui arrivent. Et, et, et donc, c'est vraiment là les ambiances qu'on adore. On s'est beaucoup spécialisé sur les ambiances de pluie. Parce que ce qui, est, ce qui a été génial, avec, on parlait de l'apparition du numérique. Ouais. Je te citais tout à l'heure, d'ailleurs, le 1DS, tu vois, c'était... Le 1DS qui est sorti en 2001, je crois. Oui, et que nous, on a eu 2003-2004, ouais, le, le numérique, et qui faisait 4, Alors, c'est le 1D qui faisait, on a regardé ensemble ouais. tout à l'heure, 4, 4 millions de 4 pixels. Millions de pixels. Eh bien, les photos, on s'en sert toujours, quoi, c'est extraordinaire. Et euh, ce qui a été génial avec l'arrivée du numérique, c'est que d'abord, on a pu faire des photos sous la pluie. Mmh. Parce que, en, alors, en Argentique, vous aviez un rouleau de 36, 36 photos. Quand on faisait des photos sous la pluie, des fois les 36 partaient à la poubelle. La poubelle on n'arrivait oui. pas à... Et en numérique, on a réussi à avoir quelque chose d'extraordinaire avec la pluie. Et puis ce que je te disais tout à l'heure aussi, c'est que le numérique... Pu en 400, oui. 500 rouleaux de, a dans rouleau de pellicule dans l'avion, ouais. avec un problème avec les douaniers, parce qu'on ne voulait pas qu'ils passent au détecteur, pas au détecteur là, mais sous les... Plus les changements de pellicule ouais. dans l'appareil. Euh, les changements, gérer. Quand on mettait du 400 ASA ou du 800, puis on n'en était pas très content, alors on, on l'enlevait, on, on laissait la languette qui dépassait, on remettait. Enfin bon, voilà, ça, ça a été génial. Et là, bah, maintenant, on trouve qu'il y a un petit peu trop de monde, nous, dans la savane. Ouais. Alors peut-être qu'avec le confinement, là, il n'y avait personne. Je suppose que là, Tony se régale parce qu'il n'y a personne. Bah, Tony, il était tout seul quasiment. Bah voilà, c'est ça. Mais nous, on a un peu de mal maintenant avec euh, 30 véhicules autour des... Bah, la coalition de Guépard, là, que j'ai montré tout à l'heure. dernière fois qu'on y a été, il y avait 30 véhicules autour. Bah non, oui, nous, ce n'est pas notre truc. quoi. Ah, ouais. Donc là, on est plus en train de travailler sur les grands espaces, les lacs sodiques. C'est les lacs qui sont légèrement salés, où il y a des flamands. Et euh, on, on, ces grands espaces complètement sauvages dans le nord du Kenya, où on était justement au mois de, de février. Là. On a eu la chance d'y aller juste avant juste le, le, le dernier confinement. Le... Donc les flamands, et puis euh, on a une petite attirance hein, quand même pour les, pour les flamands, et tout ce qui est un peu rose là. Et dans le nord du Kenya, on a fait des images, alors pas forcément en canon. Désolé Alain, mais on avait un drone. On avait un ah, drone. Oui, mais on ne fait pas de drone. Donc... Bah oui, alors. Voilà. Euh, désolé, hein, mais moi, je vais faire vraiment. <laughs> je vais faire de la pub pour les drones, non pas, dans la... pas une marque, ce n'est pas le problème. C'est que pour compléter les sujets, pour faire des livres et tout, avoir une vue d'ensemble. On, on en a vu quelques exemples ce matin avec, euh, avec Maxime qui montrait justement ces. Ses... Euh, forêt d'huile de, de palme. Oui, voilà. Et, euh, on, on, il a utilisé un drone également, mais c'est vrai que ça bon, a été Moi, je n'ai pas voulu mettre de Mais ça, par contre, c'est vraiment dans le nord du Kenya, pour ceux qui connaissent, c'est auprès du lac Turkana. Ouais. C'est un endroit où il fait 45 degrés à l'ombre. Je, je suis une marcheuse. Hein. J'ai essayé de marcher quand on y était. Il était 5 heures, donc la nuit tombant à 7 heures, donc c'était vraiment normalement le bon créneau. Ouais. J'ai fait 2 km, je me suis arrêtée ou couché par terre 5 fois tellement... J'avais la tête qui. toi vois, c'est l'endroit. Le, le mais par contre, c'est beau, quoi. Et il n'y a personne. Voilà. Donc, les couleurs sont splendides, en tout cas. Et donc, l'année prochaine, non seulement il y aura, le, je me permets, hein, oui. il y aura le génie de la nature qu'on a présenté tout à l'heure, oui. mais on avait aussi une exposition prévue sur les lacs sodiques, sur le rose, en enfin, fait, on appelle ça le, le rose, parce qu'il y a les, la soude qui devient rose. Oui. Oui. Et donc, on avait une expo prévue et un livre bah, qui sortira l'année prochaine. Voilà sur voilà. Le, les grands espaces très pour bien. changer un peu. Parfait. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop longue. Non, c'est euh... parfait, Christine. Je te remercie beaucoup. Donc euh, je, re, je, re, je rappelle ce, 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 sur sur ce livre de Christine et Michel Denio. Donc on peut le trouver où ce livre eh ben, aujourd'hui Sur notre site parce sur... que bah, on édi... comme beaucoup en ce moment, bah, on auto-édite nos livres. Ouais. Donc sur notre site www. Deniaudunionuoht.com. Bon, très voilà. bien. Bah, merci beaucoup, Christine. Merci. Euh, Sabine. On passe à, euh, bah à, à ton travail. Ouais, on y va. <laughs> Alors, bon, on va passer on, un tout petit on, peu sur l'Afrique, l'histoire peut-être. Non, là, tu, tu veux quelle histoire Bah, eh ben, je sais pas là sur. Non, Comment euh, s'est euh, rencontré Oui. Et eh ben oui, mais c'est ça. Ah, on, reste un, on reste, un tout petit peu en Afrique. <laughs> Comment on s'est rencontrés Parce qu'en fait, en, en présentant, euh, en réfléchissant avec, avec toi Alain sur euh, mon travail de photographe, je me suis rendu compte à quel point c'était euh, lié à vous. Toutes ces années, en fait, en, en, en soutien amical, pas, pas uniquement auprès de matériel, mais euh, pour me pousser à me développer, à travailler, à, à être auprès de vous. Donc, je suis revenue un petit peu en arrière et, et, euh, et ben, j'ai réfléchi avec toi à comment ça s'était passé. Donc, on s'est rendu compte qu'on qu était arrivés ensemble. Pratiquement. Presque, presque. Ça, c'est euh, mon premier livre, euh, rencontre africaine euh, qui est publié en 2008. À l'époque, j'étais encore beaucoup avocat. Oui, parce que c'est oui. quand même, bah, oui. bah, quand oui. même impressionnant. Bah, enfin, oui. Moi, ça m'a toujours impressionné de voir un avocat passer à la photo animalière, quitte même à laisser son métier d'avocat euh, en second plan à un certain moment. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah. Mais moi, j'aime défendre, en fait. Oui. C'est le, le fil rouge. Donc, défendre des personnalités humaines, animales. Et puis, j'aime raconter des histoires. Donc, il euh, y a un lien. et euh, et c'est vrai que ce, d'aller faire ce livre, c'était ma, ma passion d'enfant, hein. ouais. d'aller chercher des histoires, d'aller euh, s'ouvrir un petit peu à un autre univers. Et tout ce que j'ai rapporté en fait, de, ce, de ce monde de photographe dans mon monde d'avocat m'a enrichi. Donc tout ça a évolué. J'aime bien dire que je suis comme les chats, tu vois. Ouais. Cette vie, mais en même temps. C'est un peu le, le peu, Surtout avec un chat qui te saute dessus toute la nuit, <laughs> c'est un peu un problème. Mais donc, 2008, je, je sors mon premier livre et euh, je vais à Montier, ce fameux Montier-Andert pour la première fois. Que ne connaissais pas. Que je ne connaissais pas, mais que j'avais vu dans des journaux. C'était mes rêves. À l'époque, j'étais avocat, je feuilletais des, des revues de photos et je me disais, oh, mon Dieu, un jour, un jour, un jour, un jour. Le livre de Christine et Michel, l'un des livres, « Savane au fil des saisons », c'était oui, mon livre de chevet. C'était un jour, un jour, un jour, quoi. C'était vraiment, c'est un monde dans lequel je vivais avant d'y être. C'était euh, ma bouffée d'oxygène, quoi. C'est pour ça que c'est drôle maintenant de travailler ensemble. Le monde est vraiment étonnant. Donc 2008, je fais ce bouquin et je l'amène à montier en et Alain et Develte m'amène rencontrer Bernard Thomas que je salue, que nous saluions parce qu'il euh, coule des jours heureux en retraite. Ce vénard de Bernard ah, Thomas avec, de euh, Breton. avec euh, sa femme Isabelle et euh, je sais que c'est une figure de Montier parce qu'il a fait de nombreux Montiers de nombreux. Et, et, et il a été présent sur le festival de nombreuses fois. Donc un petit coucou à Bernard. Donc un coucou à Bernard et à Isabelle. Et à Isabelle. Et à Isabelle. Et euh, ben, il regarde mon bouquin et il prend le temps. Et il y avait par exemple une photo comme ça qu'il accroche. Alors certes, je n'avais pas de technique, je le reconnais, hein, parce que pour moi, <laughs> pour moi à l'époque, la photo, elle me permettait de raconter l'histoire, mais ce n'était pas une fin en soi. Donc j'avais la chance d'être déjà partie avec du matériel canon, Dieu merci, du numérique, Dieu merci. Et puis ben, il y avait mon regard. Mais voilà, ça c'est une diapo d'avant, mais c'est un peu elle qui m'a permis de montrer mon travail quand j'ai débarqué, euh, débarqué là-bas. Et euh, le début de mon travail, j'ai rencontré des, des personnages absolument incroyables, comme Brian Jones en Afrique du Sud, à Morolo-Rolo, qui est un chuchoteur. Alors lui parle à l'oreille de tous les animaux. Et je me suis rendu compte, en fait, de sa puissance, justement en faisant des photos. Parce qu'on peut raconter toutes les histoires. Quand on, quand on peut montrer un moment comme ça, où euh, on le voit avec cet aigle martial, où, où réellement il, a, il incarne, il est, il est sur la même ligne, il y a une, une force, c'est euh... ouais, ouais, ouais. vraiment incroyable. Et ça, c'est la, la force de la photo. Mm. C'est la force du regard. Et c'est euh, pourquoi je, je disais que j'aimais ramener des histoires en photo. C'est ça. Et puis, bah, c'est ça aussi. Costa Rica non, toujours contre-africaine, toujours, toujours l'Afrique. C'est un chimpanzé avec Eugène Cussons. Là, c'est au J.J.I. Chimpanzee Garden. C'est la force de la relation entre Eugène et ce chimpanzé, où ils ont été extrêmement liés parce qu'il l'a sauvé. Donc, pour moi, c'était euh, vraiment un symbole de, de leur travail. Et puisque beaucoup aimé Bernard, je pense qu'il ah. l'a aimé plus que toi. Oui, toi, tu. tu je. Je, je comprends pourquoi. <laughs> c'est évidemment, c'était tout ce que mon matériel pouvait être martyrisé avec les petites bêtes. Alors, je reconnais que tu en as un peu marre que mon matériel, surtout le vôtre, soit martyrisé par les petites bêtes. La dernière fois, ce n'est pas ma faute, hein, c'est les kangourous, je te l'ai dit. Hein. Oui, c'était oui. les, les kangourous. <laughs> Je peux permettre une anecdote sur le matériel martyrisé. Bernard a gardé longtemps un boîtier que Michel, et un objectif qu'un enfin, qu tigre avait fait tomber aux eaux de Douai-la-Fontaine. Un petit coucou à Pierre Gué, d'ailleurs, du zoo. Et voilà, je il crois. avait euh, bouffé le... le voilà. Et Bernard aimait bien les collectionner, je oui, crois. Oui, oui, ouais. oui. Et toujours derrière son bureau, il avait tout, tout les, toutes les carcasses d'appareils... Voilà. Euh, voilà. qui, qui mais était... ça résiste. Hein. Un jour, oui, ça, on fera oui. une conférence pour parler du matériel martyrisé. Bon, je ne crois pas. Donc, <rire> <rire> mais si, parce que c'est une bonne pub pour... Euh... Bon, bref. Donc voilà, Bernard aime mon, ce premier bouquin. Et puis, euh, je pars au Costa Rica pour faire un deuxième livre, si vous voulez bien s'afficher, voilà. Ouais. Et là, cette fois-ci, euh, j'emmène des amis, dont Olivier Cazé, qu'on a vu tout à l'heure, et Michel Denillo, que j'avais rencontré au travers d'un voyage. Et là, bon, enfin, on va passer à une vitesse supérieure, on va enfin prendre la photo. Donc, Olivier m'a appris à travailler sur les grenouilles Michel m'a appris à travailler un petit peu plus sur les autres animaux. J'ai encore les hurlements à l'oreille, mais bon, on apprend vite. Mais c'était encore une fois voilà, le même style d'image euh, des regards, des rencontres. Ce que tu disais un petit peu, ouais, c'est mon ouais, ouais, style ouais, et c'est sure, ouais. ce que j'aime moi, c'est les suivre et puis attendre le moment où euh, bah, ils vont me laisser prendre une y photo, y un mais il y a un échange, il va se passer quelque chose. Voilà, c'est pareil avec les grenouilles. Alors je me suis découvert une passion pour les grenouilles. Merci Olivier Cazé parce que c'est lui qui m'a ouais, <laughs> fait partager sa passion lui. pour les grenouilles puis qui m'a appris à les photographier quand même. Il y avait du, il y avait du taf. Il faut beaucoup plus de techniques quand même. Bah, c'est hein? oui c'est différent, c'est pas, pas les mêmes ouais. techniques. Mais comme je leur parle de la même manière, ça marche aussi. Donc, euh, la technique s'applique. Et puis, toujours des histoires de protecteurs. Voilà, ramener la relation, en fait, de, de, de l'humain avec l'animal. Il c'est un petit paresseux. Il faut oui, préciser que c'est un, un paresseux. petit paresseux. Ouais. Un petit paresseux. Un bébé paresseux dans un sanctuaire de paresseux. Et Steven <laughs> était le petit-fils de, de la famille qui s'en occupait. Donc, en fait, il a grandi avec des paresseux. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que Steven, était, il avait 6 ans à l'époque. Et entre deux voyages, je lui disais, « Qu'est-ce que tu veux que je te ramène comme cadeau ?» Et il me dit, je voudrais un guépard. <laughs> vous imaginez ce gamin en train de grandir avec tous ces animaux incroyables du Costa Rica, il voulait un guépard. Donc, évidemment, je lui ai ramené une peluche de guépard la fois d'après. Ah. ah Très connu. Très connu. Bah, quand je dis que je n'aurais jamais raconté des histoires, pour moi, c'est un moment mémorable parce que pendant deux secondes, elle n'a rien fait. Pendant deux secondes, elle a lâché mon matériel. Hein, qui était martyrisée, elle m'a lâché moi aussi qui était assez martyrisée, parce que dans cet endroit, au sanctuaire de vie sauvage d'Osa, euh, une femme extraordinaire, Carole Patrick, qui s'en occupe, elle élève ces jeunes atelles enfin elle a élevé ces jeunes atelles qui maintenant sont grandes, pour qu'elles puissent reprendre la liberté. Et donc sa technique, ça a été d'enfermer les humains et de laisser les atelles libres, pour qu'elles puissent ensuite bah, retrouver une troupe, euh, une, une troupe naturelle, ce qui s'est passé. Et c'était chaud. Donc là, pendant deux secondes, la telle est tranquille. Et c'est un moment de sérénité intense pour moi surtout, pour moi et pour mon matériel. <laughs> et c'est comme ça donc, que je me suis retrouvée à Montier, puisque j'amène au salon de la photo, j'amène le bouquin du Costa Rica à, à Bernard, qui regarde les photos et qui me dit Bon, OK, tu sais, à la Bernard. Vous voulez être un photographe canon ou pas Je dis ben, Oui, j'aimerais bien. Bon, ben voilà, Montier la semaine prochaine, vous venez. Compliqué. Euh, compliqué, quoi. C'était un peu. Euh, voilà, comme ça. Euh. Et donc, je quitte le salon de la photo en me disant Mais euh, comment, quoi Parce que Montier, c'est merveilleux, mais c'est bouclé un an en avance, quoi. Et donc, il me rappelle et il me dit Bon, euh, on a un, un bungalow pour les photographes, donc euh, vous ne discutez pas et vous venez. Et c'est comme ça que j'ai eu le grand bonheur. De faire ma première conférence De démarrer ma première conférence. Donc, cette année, je fête mes 10 ans. Hein. Oui. Chaque année, j'y étais. Chaque année, je racontais des histoires invraisemblables avec les trucs les plus. Euh, et des euh, conférences que nous, euh, que nous continuons régulièrement à, à côté voilà. du stand canon euh, voilà. à et, et, que, c et Qui reprendront l'année prochaine. Et, qui, qui reprendront, et cette, qui reprendront cette année, année ce qui est génial, c'est qu'on peut toucher ouais. encore plus de monde en, distan ouais. en distanciel. Ouais, quoi. Voilà. Et ben, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est comme ça que j'ai rencontré Guy Dassonville. On a fait. On a fait une super équipe. Mais l'événement digital dont on bénéficie aujourd'hui est un peu issu de cette idée de faire des conférences sur le stand Canon. Mmh. Donc là, comme on ne pouvait pas le faire naturellement sur Montier, l'idée voilà, est venue naturellement de le faire partager au travers des nouvelles technologies que nous avons au travers d'Internet. Donc c'est plutôt sympathique. Comme ça, l'année prochaine, au lieu d'être 40 000 en 4 jours, on sera au ah, moins 100 000. Peut-être. <laughs> 150 000 et euh, c'est comme ça aussi que j'ai fait ma première expo euh, chez Canon au showroom en 2011 euh, enfin ma première expo pour vous avec, avec cette photo le regard cette photo que tu dis à photo signature ben c'est un peu ta signature. Enfin, moi, c'est la, la photo emblématique de Sabine Berner que, que je connais de, depuis tes débuts. Donc, euh, quand je la vois, je, je pense à toi systématiquement. Oh, ça c'est gentil. Donc, euh, voilà. Donc, euh, non, non, mais c'est une signature. On le voit d'ailleurs dans tous tes livres. À chaque fois, il y a le regard, il y a un échange entre le photographe et l'animal qui est en train d'être photographié. Euh, alors, je ne sais pas si c'est lui qui est plus euh, surpris ou qui est euh, euh, qui t'observe ou si c'est toi qui l'observe mais en tout cas il y a un échange qui s'opère alors j'ai deux secrets tu leur parles d'abord je leur parle <laughs> ça marche toujours, c'est impeccable et, et mon autre secret euh, c'était mon 1DX mais ça marche plus maintenant Pourquoi parce que tout le monde m'a surnommé Rambo ça faisait tellement de bruit oui, oui. tellement de bruit que j'ai des photos géniales avec des singes qui en lâchent qui sont en train de manger tu vois, parce qu'ils sont tranquilles, -dire que je les regarde, j'attends le moment opportun, là, paf, une rafale. Géné, en fait. et, et, et non, ils étaient absolument sidérés. Donc j'ai une série de photos de, de, de plein d'animaux. Euh, ça m'a quand même joué des tours en Nouvelle-Zélande parce que les albatros n'étaient pas super contents. Ouais. Mais le DX3 que j'ai, dont je suis très heureuse, est parfaitement silencieux. Alors maintenant, tu auras le choix entre faire du bruit ou de ne pas en faire. Tu, tu fait... pourras faire des photos avec ton DX Mark III ou Mais le il faire pas de bruit. avec le R5. Mais r 5 je suis perdu. il est tellement silencieux que je me demande si j'ai fait la photo ou pas. Disons que tu as le choix. Ah. <laughs> le, en plus, je m'entends parler, là, ça devient. Euh... Ah oui Non, mais ça, ça marche bien. Bon. Alors, dans cette, euh, à cette exposition, pour moi, elle a marqué un tournant, d'abord parce que c'était génial d'exposer avec vous, et, euh, et c'est grâce à Thierry Presta, qu'on salue, hein, oui. qu'on a pu la faire, mais c'était extra. On a été encore plus proche, et c'est l'année où j'ai commencé à présenter la Nouvelle-Zélande. Cette photo qu'on a vue juste auparavant, on l'avait vue, je crois, elle avait été exposée au showroom de Canon. Celle-là, oui. Celle-ci, ouais. hein celle elle était au showroom et, de Canon, celle-là aussi. C'était à l'initiative de Thierry. Oui, de... c'est ça. Donc, celle-ci aussi était présentée au showroom de Canon. C'était ma première présentation de la Nouvelle-Zélande. Très bien. Parce qu'en 2011, juste avant d'exposer chez vous, j'ai découvert la Nouvelle-Zélande. Et là, j'ai découvert le pays de mon cœur. <laughs> Vraiment, avec des, des gens qui sont incroyablement dévots et qui sont d'une amitié vraiment très fortes, des animaux passionnants. Chaque animal est une histoire, chaque photo est une histoire, chaque, chaque regard est une histoire. Enfin, c'est fou, je veux dire, les, les, les animaux sont incroyables. Là, un... Tout à l'heure, c'était un bébé kiwi, maintenant, c'est un weka euh, que j'ai photographié dans les montagnes de Fjordland. La première fois où il voyait un humain. Toujours le regard. Toujours le regard. Et moi, la première fois où je voyais un weka, donc c'était assez rigolo, c'était des kits. Hein c'était à peu près ça, mais ça, ça se voit sur la photo. Et puis des bébés albatros. Hein ouais. C'est un grand bonheur. Vous dites qu'il a, il a quatre mois, il fait 8 kilos il paye, et il est un mètre de haut. Quoi. Et il n'est pas prêt de voler encore et il est, bah Non, il n'a pas encore ses ailes. Hein. Mmh. Donc, c'est quand même quelque chose de, de merveilleux. Mon premier autoportrait, oui, tu me aussi. vois dans l'œil oui, ah, Pour oui, une oui. fois, je n'étais pas habillée en noir. Effectivement. C'est rare. Et là, j'avais mis beaucoup de temps quand même à m'approcher d'elle, de cette chouette rue beaucoup de temps à ce qu'elle s'habitue à moi. Et la meilleure technique en fait, c'est de faire semblant de ne pas les voir et de ne pas s'y intéresser. Et là tu es avec quoi comme optique Macro quoi, Macro sans macro Sans macro. Donc tu es à quelle distance Elle a touché presque. D'accord. À l'époque, il n'y avait pas encore le 100-400. Non. Maintenant, je fais beaucoup de macro 100-400. Ouais, ouais, ce qui est absolument génial. Et puis ben, il y a aussi un petit peu de mammifères en Nouvelle-Zélande, toujours ce regard. Là, je pense que j'étais au DX hein, Et qu'elle est en train de faire la sieste. C'est à peu près l'explication de l'air aimable. Et puis en Nouvelle-Zélande, ma passion. Ma passion pour les Géco. Les euh, J'ai découvert cet animal et j'en je, suis complètement dingue. Et à un moment, on m'a d'ailleurs surnommé Géconette, ce qui était quand même mieux que le truffinette que m'avait ah, oui, oui. accordé Bernard au début. Hein. <laughs> et puis bah, les protecteurs de la nature, ça a aussi euh, une photo qui pour nous est forte, hein, parce qu'elle montre l'implication. Euh, de tous les, les néo-zélandais avec euh, les, maoris. Maoris, euh, les maoris les maoris les paquias enfin toute la, toute la population qui est vraiment très très liée pour, pour sauver leurs animaux donc c'est pour moi un pays magnifique donc là c'est Rose Cole sur cette photographie qui est une de mes meilleures amies en Nouvelle-Zélande alors on travaille aussi en photo pour la conservation dire qu'il faut là c'est un, un lion de mer adulte très très costaud donc elle s'approche quand même pas tant que ça et l'objectif est de faire la photo de la plaque qui peut avoir sur le, ah, pour, sur le côté, pour, pour, pour son repérer parcours. son tag et voilà suivre son parcours. Donc ce n'est pas intrusif du tout. La photographie ouais. permet de travailler ça. De même qu'avec euh, les Géco-Arlequin, comme ici, euh, chacun a un dessin différent. Donc on fait des photographies. Comme une empreinte. Comme une empreinte. On fait des photographies pour, euh, pour, pour pouvoir faire un catalogue. Voilà. Ce qui n'est pas intrusif. C'est quand même plus sympathique comme technique. Voilà, là, on voit mon autre ami Les Moran, avec qui je fais énormément d'expéditions, avec ce fameux le lequin sur la main. C'est bien parce qu'on a la taille. En fait. C'est ça, oui, on a ça. la taille. On voit la photo à loin, On a l'impression que l'animal est ouais, beaucoup ouais, plus gros. un, et un là tout là on petit Géco. Et puis, alors, une toute petite histoire pour finir, parce qu'on est pressé par le temps. Il faut quand même que je raconte au moins une histoire. <rire> <Ouais>. <rire> on a droit à 15 minutes de rave, on avait dit. Oui, euh, oui, oui. oui bon, à peu près. Hein. Bon, bon. bon. Celle-ci, celle on va la raconter vite, mais elle est. C'est une des histoires qui me, me touche le plus en, en, en Nouvelle-Zélande. Là, j'étais partie sur l'île de Maud, une très belle île, et j'étais partie rencontrer euh, Chris et Linda Birmingham, qui étaient les rangers de, 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 de cette île à l'époque. Et mon job était de photographier la grenouille, la super grenouille qui est sur la main de Chris. Pourquoi ah oui. cette grenouille Parce que c'est une des grenouilles les plus, les plus anciennes et les plus rares de la Terre. Elle est archaïque. Elle remonte à 200 millions d'années. Et donc, c'était exceptionnel d'aller sur cette île pour photographier cette grenouille. Donc, heureusement, mes amis arrivent à m'obtenir l'autorisation. On y va. Premier obstacle passé. Deuxième obstacle, Sirocco. Ah. Et en quoi Sirocco est un obstacle <laughs> Moi, je ne comprenais pas trop. J'avais entendu parler de Sirocco. Voilà. Parce que Sirocco, c'est une star en Nouvelle-Zélande. C'est ce qui ressemble plus à une personne royale. Là-bas, c'est euh, la star du 20h. Il est ambassadeur de biodiversité désigné par le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, donc un oiseau fonctionnaire. Euh, il est sur une île qui est gardée secrète. Il a 235 000 fans sur Facebook. Je ne sais pas où vous en êtes, Canon, mais... <laughs> il a non. sur YouTube 18 millions de vues. Je sais pas si on va faire 18 millions aujourd'hui, mais mais, mais... mais... mais pourquoi mais c'est pour ça que j'en profite pour mettre Sirocco, parce qu'on ne sait jamais, on aura peut-être plus de vues. Oui. <laughs> Jaloux. Pourquoi ben, Je vous laisse taper euh, sur YouTube euh, Kakapo si et Sirocco. d'accord. Alors Sirocco est un Kakapo, ça veut dire en maori perroquet de oui. la nuit. Parce que c'est un perroquet terrestre, oui. c'est une espèce qui est extrêmement rare et qui pendant un temps était même déclarée éteinte. Il n'y en Alors, avait plus. Le nom prête à sourire en français. Le nom prête à sourire. Mais en, en maori, c'est un peu difficile. Pas du tout. C'est un nom qui est sacré. Donc, c'est ce qu'on appelle un taonga. C'est vraiment un trésor. Mais pas uniquement pour les maoris. C'est un trésor pour tous les néo-zélandais. Hein. Il est vraiment euh, il est impressionnant. Quand, quand Sirocco part en tournée dans le pays, il y a des heures et des heures de queue pour aller le voir. Donc là, tu n'as pas pu aller faire ta photo parce que Sirocco. Bah, J'étais en train d'essayer désespérément de photographier la grenouille la plus vieille de la Terre avec l'un des, des, des oiseaux les plus anciens de la Terre et les plus rares de la Terre sur les fesses. Et donc j'étais en train, comme d'habitude, de râler comme un putois. Et là, mon amie Rose me dit Alors, euh... est-ce que tu réalises que tu photographies la grenouille la plus rare de la Terre avec l'oiseau le plus rare de la Terre sur tes fesses et tout le mal qu'on a eu à te faire venir ici Alors tu te tais, tu bosses et tu apprécies. Et c'était une grande leçon parce qu'elle avait parfaitement raison. Ouais. Après ça, j'ai réussi à me concentrer <laughs> parce que il était, ça, ça lui plaisait beaucoup de jouer le trampoline euh, euh, oui. sans commentaire. Et puis là, il est tard, je suis C'est comme... bah, la nuit. Ouais. Et j'ai réussi à me concentrer, j'ai quand même réussi à faire une jolie grenouille. De nuit. De nuit. De l'île de mode. Voilà. Étonnant. Au début, d'ailleurs, j'avais même énormément de mal à la faire parce que je me disais, mais je n'arrive pas à faire la mise au point sur l'œil. Je comprenais pas. Et en fait, elle a un œil qui est vraiment très singulier avec cette espèce de, de doré sur le dessus. C'est vraiment étonnant. Et puis ensuite, je suis restée un petit peu avec Sirocco. Parce que j'aime bien travailler sur les préjugés. Sirocco a une très mauvaise réputation, le pauvre. Parce que c'est un perroquet de nuit Non, parce que lui, personnellement, sa personnalité est assez difficile, on va dire. Parce qu'il a été élevé par un ranger, euh, il était malade quand il était petit, et donc il a été gardé par un ranger un petit peu trop longtemps, et il s'est retrouvé imprégné. Alors imprégné, c'est quand on élève un animal, et que l'animal ne sait plus. S'il est un animal ou s'il est un humain, ah. il est un petit peu perturbé et ça c'est d'autant plus fort quand ce sont des animaux intelligents comme les perroquets euh, ou les singes. Et là c'est une vraie catastrophe oui. parce qu'en fait on n'arrive pas à le remettre dans son environnement naturel. Donc quand euh, Sirocco a été relâché euh, sur l'île de Codfish avec les autres cacapos, mais il voulait pas. Euh, Donc il est resté. Il voulait pas fréquenter les cacapos du tout. Et puis il était fâché contre les humains parce qu'on ne s'occupait pas, pas de lui. Donc gros problème et finalement ils l'ont mis sur l'île de Maude tout seul, la star. Pendant quelques temps pour. Mais c'est une espèce, il y, a combien de, il y en a combien aujourd'hui Aujourd'hui, on doit être à. Je n'ai pas vérifié ce matin avant de venir, mais on est, on est peut-être à, à 400 parce qu'il euh, y a eu beaucoup de bébés qui sont nés cette année. Mais à un moment, l'espèce cacapo euh, était déclarée éteinte, ce qui était grave. Ils avaient été mangés jusqu'à l'extinction. Ah, parce qu'ils les consomment Parce que nous les avons consommés. Je dis nous les humains. Oui, Donc je, je généralise, comme oui, ça je ne vise personne. Oui, quand, les, quand les pionniers sont arrivés euh, en Nouvelle-Zélande, il y a. Euh, à 100 ans, les Maoris avant environ 700 ans, c'est hier. Et les cacapos ont été dévorés jusqu'à l'extinction parce que très facile à attraper, complètement naïf. Ils ne savaient pas que c'était qu'un humain, ils n'avaient pas de prédateurs mammifères, donc ils avaient parfaitement confiance. Et puis eux, ils pensaient qu'il suffisait de se tenir tranquille pour se cacher, parce qu'ils sont mimétiques. Hein, tu marches dessus dans la forêt. Le problème, c'est qu'ils ont une odeur qui est très très forte. Et donc, c'est très facile d'attraper un cacapo. Et puis nous, avec nos chiens, et, et tous les animaux invasifs qu'on a rapportés en Nouvelle-Zélande, comme les fouines, les belettes, ça a été un massacre. Mais euh, il mais y avait des pionniers qui secouaient les arbres pour faire tomber les cacapos, à l'époque. Donc il y en avait des millions et des millions et des millions. Et euh, comme la nature est toujours bien organisée, ces millions-là se reproduisaient très peu. J'irai voir le Facebook de Sirocco. Alors. Tu iras voir le Facebook. <laughs> il y a beaucoup de choses à découvrir. Et justement, tu verras sur le Facebook de Sirocco une surprise que je vais t'expliquer dans un instant. Donc, je reste avec Sirocco et je me dis. Moi, je suis sûre qu'il est agréable, Sirocco. Et je vais quand même essayer de lui faire euh, une, une photo qui montre sa personnalité euh, charmante. Là, tout le monde me dit charmant, Sirocco, euh, <laughs> un petit peu limite. Mais bon, on reste. Et alors, je m'assois et je lui parle, comme d'habitude. Je m'assois sur le sol, dur, hein, il fait froid, c'est la nuit. Euh, et puis, je laisse Sirocco venir, euh, commence à arriver, il s'installe sur mes genoux. Et là, je commence à lui parler et je le caresse. Et je commence à voilà, lui faire un câlin, tout en temps. Et Sirocco ronronne, incroyable. Donc, il était vachement content, il appréciait. À côté, il y avait mon copain Les Moran qui n'appréciait pas du tout, qui me disait, non, non, mais il a le bec à la hauteur de tes yeux, quoi. Donc, c'est hyper dangereux, tu fais attention, ce n'est pas possible. Et ça a duré, ça a duré, ça a duré. Je continuais, je commençais à m'enquiloser. À un moment, je bouge, chla, Et là, la grâce était finie. Sirocco, c'était terminé. J'avais rompu un peu le charme, quoi. Hein. Et là, j'ai vu que ça pouvait effectivement être un peu embêtant. Donc je me suis relevée, mais grâce à ce câlin, en fait, j'ai réussi à faire cette photo. Toujours avec le regard. Toujours avec le regard, et je trouve qu'il a un air absolument charmant et gentil. <laughs> et là où je suis vraiment très fière, c'est que cette photo est devenue son avatar sur Facebook. Donc quand tu iras voir Sirocco sur Facebook, les cacapos sont devenus euh, les oiseaux de l'année, ils viennent d'être élus, là, il y a quelques jours. Et oiseau de l'année de Nouvelle-Zélande, tu pourras découvrir Sirocco. D'accord, très bien. Et, voilà. <laughs> Et nous avons à peine dérapé. Eh bien, je vous remercie. Euh, je n'ai même pas regardé s'il y avait des questions. Je vais ah bah, regarder très, tu, très tu rapidement. j'étais... capté par nos histoires. Je vous écoutais, <laughs> en fait. Donc... Euh, euh, Non, ils sont tous sont tous endormis. Non, j'ai des, des fantastiques, superbes, chapeau bas, impressionnant, Merci. Merci. Euh, vous faites tu la faites. paire. Euh, ça, sûr. Euh, voilà, donc, euh, donc non, <laughs> plutôt des, des commentaires élogieux. Je, je remonte un peu le fil pour voir, hein. il n'y aura pas assez de temps pour tout expliquer sur la photo avec Christine. Euh, je ne sais pas... Je sais pas, pas qui photo. a dit ça. Non. <laughs> euh, non, belle. mais il n'y a, a rien de particulier. Il a, rien, bon. y a... Pas, pas de questions. Pas, pas de, de... questions. De... Non, mais... Voilà. En tout cas, bah, je, je tenais à vous remercier toutes les deux d'avoir euh, ouais. accepté notre invitation et d'être venu euh, faire une conférence pour, pour Canon pour ces événements euh, digitaux. Euh, je voulais également vous dire qu'il y aura encore une autre, euh, une autre conférence tout à l'heure à 17h avec euh, Mathieu Ricard. Euh, on sera en duplex. Mathieu sera chez lui en Dordogne. Euh, et euh, bah, je vous souhaite euh, de passer encore euh, une bonne après-midi et je vous donne rendez-vous à 17h. Euh, donc euh, à tout à l'heure et encore merci. On peut vous applaudir. n'est pas voilà. Merci. merci à tous. Et puis Extra, à, à bientôt super. sur et... le festival de Montier en 2021. Et bravo pour cette production et, et cette merci, organisation hein. top. Et, et merci à tout le public. Et un petit mot, <laughs> oui. on fait une grosse bise à Maude. On oui. sait qu'elle a suivi, oui, là, là elle parce qu'elle nous a regardé. mis un petit message. On, euh, on s'en voir avec nous. Euh, ouais. à Maude, à Régis, à Martine Fournel, voilà, puis à tous les autres. Mais et de, voilà. de loin aussi, sans bénévole, mais de très loin. Voilà. Ça. <laughs> merci à tous et à tout à l'heure. Euh,